Salut David, ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui, bienvenue à l'émission Portrait sportif. Merci, merci. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous expliques un petit peu ton parcours de vie. Parfait. Dans le fond, j'ai commencé au basket. J'ai commencé en secondaire 2. Okay. Au record à Polyvalente et à Sainte-Delorme. OK. Ensuite de ça, j'ai poursuivi ici, au cégep. Fait que c'est un peu plus... Quand j'étais au secondaire, je jouais un peu plus de basket niveau scolaire puis niveau civil aussi avec les Vikings de Saint-Hyacinthe. OK. Mais en premier lieu, dans le fond, mon premier sport, c'est le football. Puis le football, je l'ai commencé en secondaire 2 aussi, jusqu'ici aussi avec le cégep de Saint-Hyacinthe et le Royal. Fait que t'as toujours été un peu un mordu de sport. Ouais, toujours. Tu as toujours été les deux. À un moment donné, c'était même les trois sports. C'était le soccer aussi pour la ville de Saint-Hyacinthe. OK. Mais c'est ça. Un jour, j'ai laissé le soccer complètement. Okay. Je me suis concentré sur... Y a-t-il un sport en particulier, si je compare entre le basketball puis le football, que tu préfères, un des deux? Ouais, le football. Le football, parce que ça amène des éléments que... C'est rare que tu vas voir 60 gars se rassembler pour un but précis, là. Tu comprends? Ouais. Au soccer, au basket, tu n'auras pas ça, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est quelque chose de plus gros, puis de plus mieux organisé, tu comprends? Puis c'est pour ça que je préfère plus le football, là. C'est plus dur, là. Puis j'aime ça relever des défis, puis c'est un défi parfait pour moi. T'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 19 ans. 19 ans. Mmh. T'es encore très jeune. Ouais, je suis encore très jeune, là. T'as-tu un objectif dans un des deux sports, futurement? Ou... Ouais. Ben si je peux jouer niveau universitaire au football, ça serait... Je parle de jouer, là, pas juste faire une partie de l'équipe, mm-hmm. mais jouer dans une équipe CIS, école universitaire, excusez-moi. Ouais, c'est correct. Ça serait vraiment... j'aimerais ça, là. Ça ouais. serait peut-être un de mes premiers buts achevés. As-tu participé à des championnats? Championnats? Compétitions, quelques... Sport, que ce soit autant dans le football, le soccer, le tennis ou quoi que ce soit, as-tu déjà participé à des compétitions dans ta vie? Oui, on a participé au bol d'or dans le fond, à la finale du bol d'or l'année passée au football. À la finale? Oui, on l'a gagné aussi. Oh, félicitations! Ah, merci, merci. Sinon, pour le basket, j'ai participé à la finale le Ligue de basket majeure, okay. Ligue de la MBL, okay, à Montréal, oui, dans le fond, oui, c'est ça. Effectivement. Côté civil, la finale, on l'avait gagné aussi. Côté scolaire, on avait gagné... on avait perdu en finale, division 2, contre Jacques Rousseau quand j'étais en secondaire 4. OK. Puis sinon, côté championnat, vraiment, football au secondaire, on a eu plus de victoires que de défaites. Là, on a gagné sur 5 ans, j'ai 3 championnats sur 5 ans. C'est confirmé, les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe qui remportent le bol d'or 2017 dans le collégial, le 3e du million. Et là, les gens festoient sur le terrain actuellement. Les joueurs sont fous de joie, les joueurs de Saint-Hyacinthe donc qui remportent le bol d'or. Félicitations. Quelle histoire que cette équipe qui était la risée de la division 3 collégiale il y a 4 ans, sa première année d'existence. Et déjà, ce jeune programme va chercher un bol d'or. T'sais, évidemment, le basketball et mm-hmm. le football, c'est deux sports d'équipe, mais ouais. l'esprit d'équipe est comparativement différent, j'imagine. Oui, bien effectivement, parce que au football, comme j'ai dit tantôt, dans le fond, il y a 60 gars dans une équipe. Mm-hmm. Fait que s'il n'y a pas d'esprit d'équipe dans cette équipe-là, dans 60 gars, exemple, qu'il y a 50% là, des gars qui sont plus avec l'équipe, ça veut dire qu'il va y avoir 30 gars qui sont un peu à l'écart de l'équipe. Puis sur le terrain, on joue à 12, tu comprends? Sur ouais. les 12, ça veut dire qu'il va y avoir 6 gars, si on prend 50% encore, 6 gars qui vont faire la job à moitié parce qu'ils ne sont pas intégrés dans l'équipe. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'au football, c'est vraiment plus important l'esprit d'équipe. Tu sais, au basket, comme en tant que professionnel, comme on suit un peu la NBA. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, exemple, on va prendre un joueur comme exemple, LeBron James, ouais. par exemple. Tu sais, il peut se débrouiller sur le terrain, il n'y a pas besoin de les meilleurs joueurs avec lui, mais il peut quand même se débrouiller sur le terrain, même si les autres sont un peu plus faibles un peu. Là. Ouais. C'est pareil, mais au football, tu as besoin vraiment de 12 gars qui vont donner leur 100%. Là. Ouais. Comme on dit souvent, le corps arrière doit être protégé. Ouais, par la c'est ligne. Ça, ouais. Il y a la ligne, il y a le carrière qui doit lancer des belles balles pour que mm-hmm. les receveurs puissent les attraper. S'il y a un des trois gars qui font pas leur job, bien, il n'y a pas de jeu. Ouais, il laisse passer le gars, ouais, puis c'est ça, ouais. Il n'y a pas de jeu. Fait que, c'est pour ça que j'aime le football. Il faut que tu fasses. Ça m'a appris à faire confiance aux gens. Ça m'a appris à faire. À bâtir une relation puis à avoir confiance en tes coéquipiers. Au niveau du coaching, comment qu'on voit le coach? C'est deux sports différents, je pense aussi. Deux sports différents, dans le fond. Au football, on va voir le coach comme
il y a plusieurs coachs. Il va y avoir le coach offensif, coach défensif, coach des receveurs, coach des DB, coach des porteurs de ballon. Mais il va y avoir le coach là aussi, le coach le head coach, dans le fond. Le coach principal, le coach en chef. Okay. Ben lui, on va plus se considérer comme notre papa. Là, quand on va lui poser des questions à lui précisément. Okay. Puis lui, dans le fond, sa job, c'est de connaître un peu pas mal tout ce qui se passe dans son équipe. Fait que, tu sais, il va avoir réponse à tout. Puis ça va vraiment être notre genre de papa en dehors de la maison, là. OK, au basketball... Puis, tandis qu'au basket, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va être notre coach. Plus c'est soit individuellement ou plus collectivement. Il est plus là, dans le fond, pour les stratégies, là. Tu vas pas lui demander des genres de questions de... Tu passes moins de temps avec ton coach de basket que ton coach de football durant une année. Ton coach de football, tu vas passer... En trois mois, tu vas passer environ beaucoup de temps avec lui, là. On pourrait dire que, logiquement, le football est un sport d'équipe très concentré. Très concentré, Le basket aussi, mais comme au football, ton coach, tu vas parfois même l'écrire, là, en message privé, comme... Hey, coach! Parfois, il va même t'écrire si ça va pas. Genre, il va essayer d'avoir des nouvelles parce que... Faut une équipe soudée, là. Puis même, sinon, les capitaines aussi vont t'écrire aussi s'il y a quoi que ce soit, là. Okay. Fait que c'est pour ça que vraiment, le coaching staff aussi, il est différent, là. Touché! Moi, j'aimerais ça savoir, David, dans le sport du football, on sait que c'est très contact. Hein? Comment tu fais pour rester concentré quand tu joues dans un sport qui bouge comme ça? Qui bouge comme ça? Bien, dans le fond, c'est de rester toi-même. C'est vraiment de contrôler ce que tu peux contrôler. Là. C'est des problèmes à la maison, avec les amis, à l'école. Quand tu arrives sur le terrain, tu mets ça de côté puis tu te concentres vraiment sur le but précis de chaque jeu par petit jeu puis jusqu'à la fin du match. Là. Ouais. C'est vraiment dur. Rester concentré pendant tout le temps de la game avec les contacts puis tout, c'est dur, mais ça fait partie de la game. Puis c'est ça, comme je disais, quand j'ai mis les défis, là, ben, c'est ça que je parle. Ben, tu sais, moi, je trouve ça intéressant quand tu parles surtout qu'est-ce qui vient à l'extérieur. Mm-hmm. Je sais pas si, bon, tu dis que tu es encore jeune, tu vas en avoir d'autres parcours dans ta vie, mais ouais, présentement, avec que tu mélanges avec le sport et tout, est-ce que, autant niveau familial qu'amitié, amour à la limite, ouais, est-ce que tout ça, c'est difficile de mettre ça avec le sport? Ben, avec le sport, c'est sûr que j'ai mis une certaine croix un peu sur... je m'avance pas dans n'importe quoi. T'sais, j'ai des bases, là. C'est vraiment l'amitié, la famille, puis le sport, puis les études, là. Les filles, c'est vraiment secondo. Là. Pour l'instant? Ouais, c'est vraiment secondo. C'est vraiment... J'ai pas le temps à donner. C'est le seul temps que j'ai, puis c'est vraiment pour mes amis, la famille, les études, puis mon sport, là. Là, présentement, on est au cégep de Saint-Hyacinthe, ouais, là où tu joues au basket et au football aussi. Effectivement. Comment tu fais aussi pour combiner ça avec les études? Est-ce que c'est difficile ou...? Bien, c'est difficile quand t'es pas bien organisé. Mais quand tes équipes, tes coachs, ils ont une certaine formule, dans le fond, qu'il faut que tu sois présent pour tant d'entraînement, pour tant d'heures d'études, c'est quand même assez facile après. Il faut juste que tu sois assidu à tes cours, que tu sois présent. Faut t'écouter qu'est-ce que les coachs vont te conseiller en général. Puis si t'es vraiment bien organisé, ça se fait bien, là. C'est sûr que quand t'es bien organisé, par contre, c'est là que t'as moins de temps à passer en dehors, comme ouais, avec tes amis ou sortir un peu, mais... Est-ce que toi, t'es organisé? Moi, je suis organisé. Je suis très bien organisé, mais tu sais, j'aime ça prendre des risques, là. Tu comprends? Mm-hmm. Ouais. J'aime ça qu'elle fait des défis. Fait que tu sais, parfois, c'est sûr que de temps en temps, parfois, tu sais, je vais... dire « Ah, c'est bon, mais je vais prendre un petit 2 heures pour étudier pour mon examen. » Tu sais, parfois, c'est comme ça, là. Tu vois, moi, parfois, je vais au jour au jour. Mais parlant de défis, justement, là, si advenant le cas, ça fonctionne pas, est-ce que tu as un plan B ou toi, c'est plan A, tu t'en vas automatiquement vers cette direction-là dans le sport? J'ai un plan B comme un peu comme tout le monde, là. Si le sport marche pas, ben je vais aller en études, en enseignement, prof d'éduc ou même comme intervenant dans... quelque chose comme ça, là, genre social. Faut que je m'amuse un peu. J'aime ça un peu, tu comprends, genre rester dans le milieu social un peu. Fait que ça, c'est,
c'est important pour moi. Et dis-moi, rapidement comme ça, là, dans le sport, qu'est-ce qui... Il doit y avoir quelque chose qui est un petit peu plus de difficulté ou tout est super bien? C'est parfois, je dirais plus, c'est de... C'est de se connaître un peu là, dans le sport. Là. Puis c'est de, parfois, c'est de faire confiance quand ça va pas. Ça, c'est la partie que parfois, ça va être difficile pour un athlète. Là, de, quand ça va vraiment pas, de prendre tout ce qui est à prendre pour aller vers l'avant. Mm-hmm. Ça, c'est la partie la plus difficile que moi, je trouve. Oui, c'est sûr. Il faut rester concentré, comme on dit. Oui, il faut que tu restes concentré. Puis faut pas que tu lâches ton but. Là. Parfois, ça va être plus dur, mais ça va être toujours plus facile d'abandonner. Parce que tu vas te dire... Si j'abandonne le sport, bien, je vais avoir plus de temps avec mes amis, plus de temps d'études, plus de temps avec ma famille, plus de temps genre pour m'amuser. Tu comprends? Oh, ouais, mais c'est à un moment donné, il va y avoir un âge que quand ça va être fini le sport niveau scolaire, bien, ça va être fini. Tu sais, après, ça va être ta famille puis ton travail professionnel. Avant de terminer, bon, il y a des gens qui vont nous écouter, évidemment, qui vont regarder ton émission. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais donner comme conseil aux gens qui veulent se lancer autant dans le football, autant dans le basket ou peu importe le sport? Peu importe le sport. Le conseil que je donnerais pour de vrai, c'est vraiment de faire qu'est-ce que vous aimez le plus. Là. C'est de pas reporter à demain, genre, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est vraiment de profiter de chaque instant que tu peux faire. Parce qu'à un moment donné, tu sais, la réalité du sport, c'est qu'à un moment donné, tu sais pas un jour, genre, quand ça va être fini pour de bon. Puis après ça, tu vas juste plus vivre dans ton passé que de vivre dans ton présent. Parce que ah, j'aurais dû faire ça avec des regrets. Puis fait que c'est vraiment de faire l'essentiel, puis d'aller à fond dans ce que tu veux faire. Là. Parce que peut-être que par un miracle, peut-être que tu vas finir professionnel ou bien ou plus. Là. Ouais, parce que c'est sûr qu'effectivement, dans le sport, à 45 ans, tu commences à jouer une carrière. Là. Ouais, ça va être difficile, là, ça. Aussitôt, quand tu t'en vas dans le sport, tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à gagner. Tu as l'expérience en tant que personne à apprendre. Tu vas connaître beaucoup, tu vas prendre des connaissances, dans le fond. Tu vas avoir des connaissances. Puis, la seule chose que tu vas dire, OK, ouais, c'est peut-être le temps. C'est là que tu vas te rendre compte un peu que le temps, c'est important. Là, que 24 heures, c'est... Ça va vite, là. C'est passé dans une journée. Sinon, ouais, c'est ça. C'est vraiment juste de profiter chaque instant que tu fais ta passion. Là. Ben écoute, je vais te souhaiter la meilleure des chances, oui, mon cher. Beaucoup. On voit que tes partners sont prêts à pratiquer pour ce soir. Oui, on affronte Sorel, fait qu'on les attend là. Ça va être une bonne game, ça. Ben, amuse-toi, puis bon parcours à toi, mon cher. Good, merci beaucoup. Merci encore. TV, fier de faire rayonner notre communauté.